Salut les amis, aujourd'hui on va parler fourche et amortisseur et surtout préparation. Allez, à tout de suite en vidéo. Alors comme dit en titre dans la vidéo, j'ai reçu mes suspensions que j'ai fait réviser et en même temps j'en ai profité pour les faire préparer. Alors moi je fais préparer mes suspensions chez Novi Parts. Novi Parts c'est une société qui est gérée par Maxime. Maxime il touche sa bille vraiment en suspension. Quand tu arrives à le voir au téléphone, il fait toujours rêver sur les réglages, le comportement des vélos et tout. Alors une préparation ça consiste en quoi? Il va vous demander quelques informations, votre poids, votre vélo, votre terrain de jeu, votre ressenti sur ce que vous trouvez qui ne va pas sur votre pilotage. Et en fonction de toutes ces petites données, il va changer la clapeterie en interne et vous faire une hydraulique sur mesure. Alors, hydraulique sur certains amortisseurs, mais il va aussi toucher le côté air. Sur certaines fourches, notamment comme la Pike, où il fait une prépa complète avec hydraulique et air pour qu'il y ait un fonctionnement optimal. Donc moi sur les Fox, là il n'y a pas besoin de toucher le côté air, on a fait une préparation hydraulique. Alors pourquoi moi j'ai fait préparer mes amortos parce que la fourche Fox, comparée justement à ma Pike avec la préparation Novi Parts, je la trouvais beaucoup moins sensible sur le début de course, c'est-à-dire qu'elle a un début de course quand même assez raide. Et comme je ne suis pas un des meilleurs pour charger l'avant en descente, ça me gênait fortement. Surtout avec ma perte de poids, j'ai perdu 6 kg et ça m'a beaucoup plus gêné. Et malgré toutes mes recherches de réglage, j'étais pas à l'aise. Si vous avez vu certaines vidéos, je le dis d'ailleurs, quand ça commençait à taper dur, putain, ça me remontait vachement dans les bras et un petit flou sur l'avant, impossible de trouver le bon réglage. Donc voilà, j'ai décidé prématurément, je comptais le faire un peu plus tard, mais j'ai donc envoyé mes fourches en préparation chez Maxime. On en a discuté au téléphone et il m'a fait le setting en fonction de mes ressentis. Voilà, donc moi ce que c'est un petit truc que je trouve assez important à faire sur le VTT. En termes de tarifs, c'est guère plus cher qu'une révision standard. Par exemple pour la Fox, si vous n'avez pas besoin de faire les joints comme moi c'était le cas, vous allez en avoir pour 130 € pour faire révision et préparation, et pratiquement identique pour l'amortisseur. Donc ça équivaut pratiquement à une révision avec joints chez les concurrents, et vous vous retrouvez avec une fourche avec un setting à votre poids et surtout à votre vélo, et je vous garantis que ça va booster vos performances. Ça se ressent même pour un pilote lambda comme moi. Voilà, donc vous l'aurez compris, moi c'est l'optimisation de fourche, je la fais faire à chaque fois sur tous mes vélos. J'attends en général toujours la première révision, ça me permet en plus d'essayer et de voir ce qui ne va pas en comportement sur les suspensions, et pouvoir en parler avec Max et corriger tout ça lors de sa préparation. Donc à la première révision j'en profite pour faire ça, et donc je vous conseille aussi de passer par là, vous allez voir que vous allez gagner en descente, en vitesse et en facilité. Et pour ça, donc, je vous conseille l'établissement Novi Parts. Voilà, j'ai pas de part là-bas, j'ai pas de remise, il sait même pas que je vais faire cette vidéo. Mais franchement, c'est un passionné, en plus très arrangeant, qui pousse pas à la dépense. Ça me fait plaisir d'y faire un petit peu de pub. Et en plus, c'est un bon plan pour vous. La préparation sur la fourche, au top. Je retrouve de bonnes sensations en pilotage. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, je vais vous expliquer, mais truc que je vous conseille lors de vos premières révisions, si vous pouvez, ça me coûte guère plus cher, vous faites faire une préparation chez Novi Parts et je vous garantis que vous allez avoir le comportement du vélo qui va changer du tout au tout.